Écoutez les amis, je vais vous faire voir quelque chose qui est pratique quand on pêche dans les rivières, fleuves ou les lacs, dans peu d'eau, jusqu'à 3-4 mètres de profondeur en fonction de la couleur de l'eau. Voilà, moi je sais que ça m'est très utile. Voilà, et ça coûte pas très cher, ça coûte entre 40 et 50 euros pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un éco-sondeur. Et bien écoutez, je vais vous faire voir ça, c'est un aquascope, et franchement ça c'est top, ça me permet de toucher des poissons ou pas, ça dépend bien sûr, mais ça me permet surtout de voir les fonds. Voilà, vous savez que quand les poissons, quand les carpes se nourrissent, ils font des tâches de propre sur le fond. Voilà. Et avec ça vous pouvez voir où il s'alimente, ça c'est bien. Vous pouvez voir aussi quand vous amorcez, et bien aussi votre amorçage, voir s'il a été mangé ou pas, voir s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Voilà. Franchement ça c'est un ustensile qui est très bien, ça coûte pas très cher, comme je vous ai dit, entre 40 et 50 euros. Voilà, moi j'ai payé le mien à peu près ce prix là, je l'ai pris chez Nauticarp. Voilà. Et franchement j'en suis super content, ça m'est très utile. Comme là je vais aller voir si je vois éventuellement des tâches de propre, voir si le poisson où il s'alimente, comme ça me fait gagner du temps. Ça c'est une chose qu'on voit pas les consondeurs, c'est pareil, c'est bien, ça a son utilité, mais ça c'est pareil, c'est très bien aussi, ça a son utilité. Je vois, à part chez moi où j'ai des rivières qui ne sont pas très profondes, je me sers plus de mon aquascope que de mon éco-sondeur. Voilà, tout d'abord c'est pareil, l'éco-sondeur, quand il y a des herbiers, et ben ça ne sert à rien parce que l'éco-sondeur, ben il est perdu avec les herbiers. Et avec ça vous pouvez voir, et vous pouvez voir même s'il y a des taches de propre entre les herbiers. Voilà, en se promenant tranquillement, et ça permet de déposer votre ligne proprement. Vous pouvez voir aussi comment il s'est posé, comment votre amorçage vous l'avez disposé autour de votre piège. Franchement ça c'est pratiquement un ustensile indispensable pour tous les pêcheurs qui baraudent. Voilà, ça me permet aussi moi de déposer à pied. Voilà, quand je l'ai déposé où il y a 1 mètre 50 d'eau, et vous savez quand il y a un petit peu de vent ça fait des petites vaguelettes, et bon, on voit rien du tout, vous mettez l'aquascope. Et comme ça, vous voyez, vous déposez comme il faut, vous avez bien votre montage, comment il est posé. Et franchement, ça c'est top. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur l'aquascope vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit. Et je vous dis ciao les amis, et à bientôt au bord de l'eau.